السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيصل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors c'est deuxième session concernant topic l'exagération dans la religion. Veut dire al-ghulou fi ad-din. Et dans première session samedi dernier nous finissons apprendre qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin interdit sur Ummat ou bien fin averti sur Ummat contre l'exagération dans din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ce bain de parole, Iyakum wal ghulu wa fi din. Faire attention avec ghulu, avec exagération dans din, parce qu'il s'acquitteuse à fin détruire ban peuple du passé. Alors la dernière fois, nous fin commence un petit peu l'origine de l'extrémisme qui finit apparaître dans la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de ce vivant, du Pémin, sur la vie de ce vivant. Quand il est encore vivant, il mentionne trois sahaba qui, un petit peu, dit, n'est pas pour faire, un dit, n'est pas pour dormir, n'est pas pour faire ribadet toute longue la nuit, un le dit, n'est pas pour garder Rosa Nafil tous les jours, un le dit, n'est pas pour mourir, n'est pas pour préoccuper seulement avec ribadet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit. Un diadiazut pratique digne de sa façon-là, à l'extrême. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit rentrer côté la case, il finit trouver un lacode attaché, et il finit dire qui présente dans la maison, qui s'en a qui finit attaché à la côte là, qui fait le finit attaché à la côte là, ben qui présente finit dire c'est Zainab, radiallahu anha, quand il fait namaz, veut dire ben nawafil, quand il est fatigué, il attrape avec sa la côte là pour l'itini. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit un tiers pour faire une petite chose pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais un namaz d'après quantité que tu es capable. Quand je suis fatigué, alors je t'assise, je te repose, après je te continue. Dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit une directive comment vous pratiquez ribada et non pas à l'extrême. Ça, c'était dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète nous donne l'instruction pour qu'il ne pas à l'extrême. Et nous finissons commence avec un petit peu le premier secte qui nous capable de dire et une fois un démon il quitte le droit chemin, il part à l'extrême parce que l'islam c'est le juste milieu. Donc nous capable de dire qui zis ahlus sunna wal jamaa ban qui peut suivre Coran et Sunna, c'est eux qui est vraiment le juste milieu parce que l'islam c'est le juste milieu. Alors tout ban secte qui finit venir, je finis quitte sa juste milieu là, je finis dans le tombe d'un extrême dans un aspect dans dire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le début de un premier secte nous capable de dire qui finit apparaître nous finit dire ban khawarij ban qui s'est révolté contre Othman radiyallahu anhu, la man dimon qui fait rébellion qui rebelle contre Othman radiyallahu anhu. Les là se fin prend forme un groupe même, se fin forme prend forme d'un groupe un secte même dans l'époque de Ali radiyallahu anhu. C'était ban appelé ban khawarij, nous qui cause le ban khawarij la dernière fois. Et ça ban dit mon là, je fin considère Ali et Muawiyah, nous qui dit qu'il y a une dispute entre Ali et Muawiyah. C'est qui même ça finit le champ de bataille. Alors, durant la bataille, c'est bataille de Siffin, et qui finit arriver, ban dit mon de Muawiyah,
Muawiyah fin de l'autre pour demande arrête la bataille et fait arbitrage. Alors ben soldat de Muawiyah radiyallahu an se fin prend ben mushaf ben copie Coran se fin mettre le autre lance sur le spire je pique hein, qui fait la guerre avec ça fin attache ça le autre lance là haut pour faire comme un signal parce que dans la bataille quand pour causer pas pour comprendre veut dire bien dans la, en pleine bataille alors je fin attache ça ben mushaf là l'autre autre spire pour faire appel à l'armée de Ali, arrête la guerre, nous retourne vers l'arbitrage à la lumière du Coran. Alors finalement, Muawiyah et Ali, radiyallahu an, les deux finissent accepter pour arrêter la bataille et faire arbitrage. Qui veut dire arbitrage? Je veux dire, un djimoun saute dans le camp de Ali et un djimoun dans le camp de Muawiyah, je peux discuter, je peux négocier. Alors finalement, finissant sa négociation là, finissant sa arbitrage là, mais qui finit arrivé, c'est un bandimoun dans l'armée de Ali radiallahu an, je ne fais pas d'accord avec Ali radiallahu an. Je dis non, bien Ali, il n'est pas supposé faire arbitrage. Ali, lit le calife, il faut continuer la guerre, il faut accepter, arrêter la guerre là, faire arbitrage. Alors, quand je n'arrête la khawarij là, quand je dis Ali, non, il fait erreur, je ne sais pas, je depuis l'armée de Ali. C'est ma déserteuse, ma qui quitte l'armée de Ali, c'est qui dit Kharaja, Khawarij, Kharaja an ta'ati Ali. Je ne sortis depuis l'obéissance de Ali radiallahu an. Je ne forme ce propre groupe. Alors, avec les temps, je ne commence à adopter l'opinion extrême. Je fais même fait takfir de Ali et de Muawiyah radiallahu an. Effectivement, quand vous parlez de l'histoire, vous trouvez si ça va la même qui fait la poignard Ali radiallahu an. Maintenant, tu as vu du monde pour poignard Muawiyah aussi, parce que je ne suis pas d'accord avec personne. Ni à Ali, ni à Muawiyah, pas d'accord avec personne. Pourtant, Ali radiallahu an, c'est un sahaba. Muawiyah radiallahu an, sahaba. Et ça va du monde qui peut suivre, qu'il soit Ali, qu'il soit Muawiyah, c'était pas musulman. Mais ça va là, je ne suis pas fini d'accord avec personne, je ne retire pas, je ne fais pas mes propres amirs. Alors, je considère tout seul qui est la vérité. Et je peux dire qu'Ali dans l'erreur. Et Ali ne vient kafir. Muawiyah ne vient kafir. Sur 10 ans, il vient halal. Et maintenant, tu peux vers 10 ans facilement. Maintenant, tu peux vers 10 ans. Je fais une tuie. Beaucoup musulmans. Et je fais une. Et au fait, quand vous parlez à l'histoire, vous trouvez que tu retires. Tu as un endroit qui s'appelle Nahrawan. Là, Ali radiallahu anhu, tu as vu Abdullah ibn Abbas. Poil. Orgueux avec eux. Hein? Orgueux pour tirer eux dans eux, fausseté, amène eux vers, retourne eux vers le droit chemin. Un parti fin accepter l'argument de Ibn Abbas, mais un bon parti fin persister l'autre autres idéologies, Khawarij, et je fin continuer à faire des dissidents de mal musulmans. Moi, je fin trouver jusqu'à qui même, Ali fin perdit la vie pour l'armée, un autre bandimoun, et je fin même avoir du monde pour attaquer Muawiyah, mais seulement Muawiyah pas fin récit Gaïli. Il y a un autre sahabi dans l'Égypte, ce nom n'est pas venu en tête là, c'est un sahabi dans l'Égypte aussi pareil, lui qui gouvernait de l'Égypte, ben là tu avais du monde pour attaquer aussi pareillement. Alors ça c'est un petit peu ça sec là, tu causes là la dernière fois, et nous te dire, il y a un hadith qui ben savant fait mention, qui veut dire, ce hadith là, peut référer à ça ben savant du monde là, veut dire l'origine de ça. Le Saban Jimoun là, nous étudions la dernière fois, c'est un Jimoun qui vient contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, tu peux partager butin de guerre, tu peux distribuer butin de guerre. Ça Jimoun là fait dire, I'adil ya Muhammad, oh Muhammad, fais la justice. Oh Muhammad, fais la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire avec ça Jimoun là, malé le ou toi. Malé le ou toi, si moi pas faire la justice, c'est là qui vous fait la justice. Et Omar fin dit, ya Rasulallah, donne-moi permission, je me coupe sur les coups. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non. Laisse-le, parmi ce ban compagnon, pour y aller un ban djimoun, je peux comme ça, comme ça, comme ça, il fait une ban description, et ban savant, je dis, ça djimoun là, quand le prophète peut dire ce ban compagnon, c'est dans la même catégorie djimoun qui ban khawarij in émerger. Il veut dire, ban khawarij, il a même façon, même mentalité que ça djimoun là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, laisse-le, parce qu'il promet ce ban compagnon pour une telle qualité du monde. De l'époque, le prophète passait dans cette qualité du monde. Là. Après ce l'amour, après, pour le finir, de l'époque de Othman et Ali, ce ban du monde-là finit apparaître. Alors, dans la même mentalité, ce ban du monde-là, j'ai la même mentalité avec ça du monde qui est
dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, i'dil, fais la justice. Alors ça c'est premier secte Khawarij. Donc mon frère et ma soeur, fallait pas nous penser que ça c'est un événement historique indéterminé. Fallait pas qu'ils nous pensent que ça c'est un événement historique dans l'histoire après infini. Non, comment nous finir dire insan, il est naturel. Sa nature là tout le temps, il y a une mauvaise inclination dans l'insan. L'insan a son bon côté, il a son mauvais côté. Sa mauvais là, il refait apparition à travers l'histoire. Comme ça même, ça c'est Khawarij là finit à travers l'histoire. Ce qui a fait aujourd'hui encore, il y si pas exactement le sac, mais l'attitude, la mentalité il a dans Stenman, groupuscule. Alors donc, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ça et rire qui s'amène. Ça va être Khawarij la fin tomber. Alors, comment nous finissons dire? Nous disons la dernière fois, nous promène une bonne description de sa bonne personne là, qui est un cheikh dans Riyad, cheikh Abdul Rahman Al-Louayhiq. Il finit un livre, l'eau, Al-Ghulu Fiddin. Ce titre, même un thèse, ça c'est pas un livre, c'est une thèse, c'est l'exagération dans Dine, l'exagération dans Dine. Et ce livre-là, il traduit en anglais. Et il a lu sur Internet. Alors, nous disons, mon frère, pas seulement écouter, tu allais nous mettre le technique là, nous relis, nous mettons le Internet, il a lu, religious extremisme, religious extremism, on a fait comme ça, en anglais, il traduit en anglais. Alors, je suis capable de gagner plus de détails là-dedans. Alors, sachez là qu'il vient faire, il vient cause de l'extrémisme, très 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 joli livre. Et surtout qu'il nous va professer, quand nous sommes dans l'université, je peux dire nous tous les temps, c'était une thèse. Qui fait c'était une thèse universitaire? C'est parce qu'une thèse, c'est une préparation qu'un dimanche il fait, il passe d'un panel. Alors, pour lui gagner sa mention de, c'est pas, pour lui gagner sa MA, magistère, ou bien ce doctorat, pour lui gagner sa mention, sa thèse-là est mise à l'examen par un panel. C'est pas un seul dimanche qui écrit à lui, mais un panel qui révise ça. Alors, je vous dis, si dans toute fois, il y a une question pour corriger, je vous dis, là, quand il finit, quand ça dit, là, il gagne ce mention de, il gagne ce MA ou bien ce PhD, là, je vais faire sa panel là, je dis, c'est pas sa thèse là, je recommande ça dit, là, pour publier lui en tant qu'un livre. Alors, sa thèse là, c'est un livre qui est vérifié pour un panel de bande scoleuse. C'est pas juste ça dit, là, ce travail. Il y a ce supervisor, sa supervisor qui supervise sa thèse là, il y a sa panel là, qui se révise sa thèse là. Donc, il y a quelque chose qui est très important pour les étudiants qui ont acheté sa thèse, comme nous venons de nous présenter, je dire nous. Nous acheté sa thèse et là-dedans, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de précisions. Alors, sachez là qu'il est fin de faire dans sa livre là, voilà. Sachez là qu'il est fin de faire, il est fin parmi les qu'est-ce qu'il vient discuter dans sa naturellement il peut causer l'extrémisme, il vient causer le sa secte là, il vient rassembler, il vient chercher ban hadith qui décrit caractéristiques de ban Khawarij. Et ça ban caractéristique là, il est très important pour nous capter ça bien. Qui fait pour nous ne pas faire ça ban erreur, ne pas adopter ça ban caractéristique là. Et deuxième, quand nous connais ça ban caractéristique là, c'est toutefois et un secte qui peut adopter, un bandit qui peut adopter sa latitude là, nous finit trouver à la lumière du hadith. Alors, qui semble nous dire, sunna c'est une mesure. Quand un bandit comprend la sunna, quand il peut guetter une quitteuse, il n'est pas pour base sur l'esprit purement pour lui faire jugement. Il est pour base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui porter un jugement. Donc, nous guetter sa chère là qui vient faire, il dit, il vient guetter une vingtaine de hadith. De degré de Sahih ou bien Hassan. Hein, nous connaissons deux types de hadith qui nous capables de servir sans aucun problème. Et c'est hadith qui est Sahih, qui est autant dans plus de degré d'authenticité, avec hadith qui est Hassan. Un hadith qui est Hassan, c'est aussi un hadith qui est authentique, mais le moins ce degré d'authenticité, le moins qu'un hadith qui est Sahih. Donc, c'est deux catégories hadith, hein, comme mon frère Asraf Djanouf vient expliquer dans le son Mustalah al-Hadith. Qu'il est fait faire pendant plusieurs sessions, il fait une cause le type de hadith. Alors, ce cheikh-là, il réussit à réunir une vingtaine de hadiths et il fait tirer dans sa bande hadith-là, bande caractéristique de Khawarij, de bande hadith qui concerne Khawarij. Il
Il fait une récite qui est une série de man caractéristiques qui mentionnées à la lumière d'une vingtaine de man hadith qu'il fait une récite compilée, il fait une récite rassemblée. Parmi, nous commençons avec sa man suifat là qui est mentionné dans le hadith. Parmi là-dedans, il y a un terme que le prophète a servi quand il peut décrire ban khawarij. Il dit Yati fi akhir zaman qawmun hudatha'u al-asnan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour venir dans les derniers moments de ce monde-là, dans ma dernier temps, pour un groupe du monde, pour venir, Hudatha ou l'asnan. Hadith veut dire nouveau. Hudatha au pluriel. Asnan, pluriel de sin, les dents. Mais les dents nouveaux. Veut dire, qui veut dire expression là? Ben, du monde qui jeûne. Pour un groupe du monde qui pour venir, je pour jeûne. Hudatha ou l'asnan. On va dire les dents pas encore poussées. De cette façon, cette expression là, on va dire les dents pas encore poussées. Avec il y a quatre ans, prend l'essence, comment dire, un groupe du monde, c'est pour venir, c'est pour jeune, guette bien. Extrémisme, surtout, il y apparaît parmi les jeunes. La cause, on a trouvé beaucoup, une petite chose qui est réelle, ça, hein? Une petite chose qui est, subhanallah, peine à doute qui est parole du prophète, qui est réelle, même lui. Mais quand on lit ce hadith-là, et on guette ce qui peut arriver dans l'actualité, dans la réalité, on trouve qu'il y a un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin prédire. Le futur, subhanallah, qui n'est pas capable d'accepter que le prophète est inspiré par Allah. Il n'est pas capable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas capable de dire ça par lui-même. Il veut dire qu'il faut aller à l'aide, il faut connaître. Les temps où il y a l'actualité, les temps où il y a autour de nous, nous vous trouvez beaucoup ça va du monde qui est extrême là, c'est le hudatha ou l'asnan. Vous jeune, vous shallow in nous. Quand du monde est jeune, bien souvent, sur connaissance, il est faible. Sur l'expérience de la vie, il est faible. Il y a une belle expérience, il y a une belle connaissance. Donc le prophète décrit là, ben, ça va être un khawadiz là comme ben qui pour jeune. Soufaha ou l'ahlam. Deuxième caractéristique. Safi, c'est stupide. Ahlam, c'est roua. Roua veut dire ben rêve. Soufaha ou l'ahlam. On va dire, je n'ai pas un rêve stupide. Je suis jeune et je n'ai pas un rêve stupide. Je veux dire tellement je suis naïf. Je dream d'une quitteuse, je tenais un rêve, je pensais, il est facile. Je tenais un rêve qui est irréalisable, qui n'est pas comment je peux penser. Alors je tenais, je faible, je racle, je tenais l'intelligence faible, je tenais un manque de maturité, je pressé. Pareil comme il y a un dimoun, je dis qu'il nous a un étudiant, et en même temps je dis qu'il travaille pour dire un tel kafir, ou bien pour dire un tel bidati, ça c'est le travail de man ulama. Et je dis, je suis étudiant, mais c'est malgré ça, malgré que je dis, je suis pas alim, mais je mets de position de alim. Malgré que je suis pas alim, je mets de position de alim pour donner jugement. Pour donner jugement, le un tel. Donc, des caractéristiques de ce hadith-là, je suis jeune et je n'ai pas un rêve, je suis stupide. Je n'ai pas un rêve qui est réalisable, je n'ai pas un monde qui est stupide. Le tanko, le hadith, dans Mousnad Imam Ahmed, quand il mentionne caractéristique, troisième caractéristique, le prophète dit inna fikum qawmun inna fikum qawman ya'budun wa yad'abun. Parmi eux, il y a des gens qui peuvent venir et faire ribada et persévérer dans cette ribada. Subhanallah. Caractéristique de ce extrémiste là, je fais ribada Allah et persévérer dans cette ribada. Quand on peut lire l'histoire. Quand Ibn Abbas, il y a zone avec, je veux dire, Hazrat Ali, tu as vu Ibn Abbas pour l'orgueiller avec Dieu pour faire retourner la vérité. Quand Ibn Abbas, parce que Dieu te l'attend, il dit, ben là, il y a le Coran, une partie d'engager dans Dhikrullah, une partie d'engager dans Tahajjud, une partie dans Tilawat le Coran. Subhanallah. C'est un monde qui fait ribada, qui est engagé dans ribada, et les prophètes disent, Yad Aboud, je suis constant dans cette ribada. Subhanallah, get comment un djimoun est capable de faire ribada, mais seulement qu'en connaissance faible. Malgré son ribada, il est capable de prendre chemin de l'égarement. La cause, ça, Imam al-Bukhari, tout le temps, nous mentionne sa parole là. Il mentionne sa parole, ça, chapitre là, dans ce livre. Bab al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. Chapitre, la parole avant. Chapitre, la connaissance avant la parole et l'action. Al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. La connaissance avant la parole et l'action. Alors donc, nous trouvons, je te fais ribada. Hatta yu'jabu bihimun nas. Dis-moi pour aimer éveiller avec ce ribada. Subhanallah.
من جيمون كي كان جيت زوت اللي بتروفي على دالي انا فاني تشوفي الحديث كنت بوفيت تي ديال بان صحابه زوت بو كومونسي دي زوت سوالا زوت سويام انسيغنيفيان صحابه لي بون بيديا زوت بان صحابه زوت سويام زوت سوالا بو انسيغنيفيان فيزا فيزا بان جيمون زوت ريبالات دونك ici les prophètes dire ça va jimuna pour faire caractère ribada yu'jabu bihim an-nas jimun pou étonné pou émerveillé par cette ribada wa tu'jibuhum nufusuhum git malé la côte trouvé git malé la côte li trouvé ça va jimun la jot nafs décevoir jot émerveillé pourquoi je dis ça self conceit dans l'anglais jot émerveillé par cette propre action تعجبهم نفوسهم في جزء جزء في بكو ريبادا على شيطان متى لازم تلكير بس نو نبي في ريبادا نو نو في نو لي قران تو لي زور نو نو غاد سيام نو نو مت سنة براتيك نو 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 في سا نو نو في سا نو نو في سا في جزء سا موا hein tant par année nous faire une fait dawa hein tant nous fait tant qui nous fait tant causerie nous fait tant masjid nous fait tant de choses. Allô, tu ajibuhum nufusuhum. Zut l'âme, zut nafs, émerveille zut. Subhanallah. Yamrukuna min ad-din, muruqa sahmi min ar-ramiya. Zut poussouti de la religion. Pareil comme une flèche, li quitte se proie y aller. Quand il se tient un coup de flèche, avec sa pression qui sa flèche là venit, li transperce sa proie là y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kum samim ban la, zut pou. Oui, nos frères, self-conceit, hein? Nos frères, ils ont dit ça en anglais, self-conceit. Un démon, il est émerveillé par lui-même, il est émerveillé par lui-même. Allah protège nous contre sa qualité qu'appelle Al-Ujb. Al-Ujb, beaucoup d'ulama de l'âme, de nafs, par exemple, Imam al-Ghazali dans Ihya ul-Muddin, il fait une cause, il y a une quitteuse qui donne nafs, un démon, un muhlikat, qui détruit un démon. La cause, un démon, il besoin de ce qui est un nafs. Il faisait purifier ce l'âme. Quand aflaha man zakkaha, fin fait réussite, c'est lui qui zakkaha, c'est lui qui purifie ce l'âme. Quand khaba man dassaha, quand khaba man dassaha, fin perdu, fin fait défaite, c'est lui qui fin salier ce l'âme. Alors nous salier nous l'âme par beaucoup de mauvaises qualités, par l'arrogance, par self-conceit, nous croyons qu'il nous est terrible, nous perdons sa humilité là. Nous on a la jalousie, on a la haine, ça c'est une qualité qui détruit nous. Ça va dire mon là tu dis boum nous fou soum. Je te considère je te auto purifie je te même je pensais que j'ai une bande terrible. Allah protège nous contre sa qualité là, personne pas à l'abri de sa bande qualité là. Alors nous trouver je fais beaucoup ribadat et c'est même qui les prophètes dire nous quand mentionne une quatrième nous quand mentionne oui ça veut dire les mêmes affaires hein je n'ai pas conscience. Je te considère les autres, je te considère les autres plus supérieurs à travers cette ribadat que je te fais. L'autre qualité qui cherche à tirer à la lumière du hadith, que le prophète peut décrire, ça va dire mon là, yaqraoun al-Qur'an, la yujawizu taraqihim. Yaqraoun al-Qur'an, je te lis le Qur'an, mais seulement le Qur'an n'a pas traversé la gauche, je veux dire, il n'est pas descendu de l'équerre. Je te lis le Qur'an, mais seulement Qur'an n'a pas descendu de l'équerre. Donc, veut dire cette knowledge les superficielles, cette peine compréhension de Qur'an, cette peine bon méditation le Qur'an. Qur'an pas fait l'effet les autres l'équerre. La cause ça c'est Qur'an qui fait l'effet les autres l'équerre. Je pas tu peux na ça ujb, ça l'arrogance, ça émerveillement par eux même. Donc ça c'est une qualité dans eux, c'est qui je knowledge en Qur'an les chaleux, les bien légers. Je peux na Qur'an pas descendre de ce clé qui est, je dis ce li. Puis je lis Qur'an. Ibn Taymiyyah lui dit, il dit ce parole, lui dit, كانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. Ibn Taymiyyah lui dit, premier bidra qui fin apparaître, comme bidra de ben khawarij, fin arriver la cause mauvaise compréhension de Qur'an. Il dit, لم يقصدوا معارضته. Ça va dire, je ne veux pas te rencontrer le Coran. Je peux lire le Coran, je suis content du Coran.
Je veux pas, tu as envie de contredire le Coran, Dieu, mais c'est moi, je ne mal comprends Coran. La mauvaise compréhension de Coran fin fait je contredire le Coran. D'accord? Ça, c'est ce que tu peux dire avec Ali. Inni al-hukmu illa lillah. L'arbitrage, le jugement, il appartient à Allah. Mais oh Ali, qui fait une fête, j'ai mon vin arbitre. Je ne pensais qu'il n'y a pas grand-midi arbitre. Et là, même qu'Ibn Abbas, il y a le verset. Tabarathu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Quand Michel, madame, il y a la guerre, Allah dit à sakana minen arbitre. Un arbitre de côté Michel, un arbitre de côté madame, pour faire réconciliation. Veut dire, PM ici pour faire arbitrage. Je dois aller faire arbitrage. Je dis non, mais Allah dit inil hukmu illa lillah. Jugement appartient à Allah uniquement. Donc, qui fait Ali me prend juge? Qui fait Ali me mettre un arbitre? Qui fait Mouawiyah me mettre un arbitre? Veut dire, je ne pas comprendre verset Coran là. Je peux lire un verset, je peux mettre un verset comme un slogan, mais c'est moi, je ne pas comprendre la réalité de ce verset là. Alors, ça c'est très important. La même qu'Inch'Allah, quand nous finissons avec sa leçon, nous tenons l'intention pour faire l'autre leçon l'autre semaine prochaine. Et le 4 septembre commence avec Maqasid du Sharia, l'objectif de la Sharia, qui concernait pas vraie compréhension de ma texte. Ça a sujet Maqasid du Sharia, l'objectif de la Sharia, en grande partie, ça sujet là, il concerne vraie compréhension de ma texte. Mais vous pensez, nous n'avons pas gagné le temps. Nous pouvons bien aller un petit peu plus avec sa sujet exagération là. Nous repoussons même des semaines encore. La cause même ne peut faire sa sujet maqasid du sharia. Saman khawarij là, je n'ai une compréhension très superficielle de ma texte. Alors ça me vient danger ça. Un dimon li comprend ma texte hein, très très superficiel, très littéraliste. Pareil comme un dimon pas comprend vite moi un tiers dimon un jugement l'eau ce qui peut faire social distancing, c'est travail shaitan ça. Alors dimon li get un hadith dans Namaz, bizan zon zépaule ensemble. Hadith clé l'eau là. Prophète dit, quand nous quittons l'espace entre nous, shaitan traversé, alors, quand on peut faire social distancing, à ce là on veut dire c'est un travail shaitan ça. Ça, c'est ma compréhension superficielle. Ben, j'ai qui pas comprend où le fait. Ben, j'ai pas qui pas comprend l'istihad de ban ulama. Nous ne pas d'accord. Mais seulement pour arriver au point pour dire travail shaitan, ça, c'est ben, j'ai qui n'a. Nous sûrs de certains de ça, ça c'est pas dire qu'il y a une compréhension superficielle de dire dans ce moment-là. Et n'empêche qu'il y a des gens de l'ulama, de ce beau qui se suivent, je m'en prie, grand alim, comme Mufti Taqi Ousmani. Je vais même finir dire, permissible faire social distancing dans une situation exceptionnelle. Alors, ben, des gens permettent, les mêmes peuvent juger ce qui l'ulama finit dire. Alors, ça qui est malheureux, ça qui est malheureux. Allez trouver, c'est même qui m'a le prophète dit, je te lis le Coran, ce Coran n'a pas descendu, je te l'écris. Aujourd'hui, il a dit, mon ne peut lire le Coran, il ne pas comprend qu'il peut lire, il peut dire ce camarade kafir. C'est là qu'il suit Vendimoun, il suit Vendimoun, ça dit mon là, il a sa habitude, ça suppose, ça dit mon qui n'apprend là. Il vite, il finit d'un verdict, ça a mort tête, ça a quitté l'islam, il a allé. Alors, il suit là aussi pareil, qu'il fait un jour, il va voir comment ce qu'on fait, il va voir les conditions pour lui faire le namaz accepté. Il dit pareil, il répète pareil. C'est même que tu causes l'eau d'un coup de bain, tu causes l'eau légale, l'eau suive aveugle. Suive aveugle. Du tout, ben zénès, et je te ben jeune, ça bourdette ça, ça finit que l'islam est allé. Ça faisait chier sur la tête depuis le sous-épaule. Subhanallah, ben parole lourde. Mais c'est moi qui me sentis facile, l'eau la bouche ben jeune, aujourd'hui. Ça bourdette ça. Alors tout ça là, il est bien, bien dangereux. Alors, nous trouvons encore parmi les Sufat de Saman Khawarij. Nous trouvons. Je peux dire une bonne parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yakuluna min khayri qawli al-bariya. Je peux dire une meilleure parole. Par exemple, quand je peux dire Inil hukmu illa lillah, c'est Coran. Je peux servir une bonne parole. Je peux servir Coran. Je peux servir Hadith. Mais seulement comment. Ali fin dire d'un moment, il fin dire kalimatu haqqin urida bihi al-batil. Une vraie parole, mais seulement qui l'intention derrière prononce sa parole-là, c'est la fausseté. Une vraie parole qui est prononcée, mais seulement l'intention de sa contexte qui peut dire sa parole-là, c'est la fausseté. Kalimatu haqq urida bihi al-batil. Une parole de vérité, mais seulement dans un moment qui peut dire ça-là, péché pour faire passe un mensonge. Mais dire pas sur place pour dire sa parole-là.
n'est pas son contexte. Alors, le savant dit, le prophète dit, dans le hadith mentionné, qui je servis, ben, plus je les paroles. Je peux dire, je vais vite vers le même jeu. Mais seulement en vérité, je vais vite vers votre propre compréhension. L'autre encore très important, par Imam Sufat, le hadith mentionné de Bukhari Muslim, يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ Subhanallah. يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ Je tue les musulmans. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ Et je quitte ban mushrikin. Tu es musulman. Dans cette même pays, nous trouvons. Quand un groupuscule, il reste fait victoire. Alors l'autre groupuscule qui lui utilise la guerre contre sa autorité-là, il est venu, il a guerre avec Sanada. Parce qu'il n'est pas là dans le même groupe avec lui. Vers ce disant. Hein, la guerre entre ban frère musulman. Il veut dire, ça va le khawarij là, je ne pas quitte ban musulman. Je tue musulman, je quitte ban mouchlikin. Et il y a un joli incident qui Ibn Kathir mentionné dans Al-Bidaya ou Al-Nihaya pour illustrer sa latitude. Captez ça bien, mon frère. Pour illustrer sa latitude, attaque ban musulman et quitte kafir. Attaque musulman, quitte kafir. Kafir, ça est souf. 20 bananes, man américain fait une façade dans l'Afghanistan. Mais seulement, médias pas pour montrer où, parce qu'il n'est pas de l'avantage américain, médias de contrôle juif. Zis comme un groupe musulman, un taliban, il récit, repousse, ban impérialiste, à ce tir-là, ban là, je te sommeille, une cassée là. Ça va là, je te comme ça, ça va là, je te comme ça, ça va là, do, dis mon mot, ça va là, je te fais dominer, madame, ça va là, ça va là, ça va là. Oh, ça fait 20 ans, qui américain tué, violé, torturé. Zet un zet boum, l'eau en madrasa, quand tu fais cérémonie, tu fais cérémonie sans hafi de le Coran, il fait khatam Coran, in de kunduz. Ça va plutôt aux images. Quand il arrive, ça me croit 2018, ça va plutôt aux images. Mais man, les autres kitsos qui n'ont pas dans l'avantage américain, vous trouvez des images plein, 10 ans, fané partout, supposément, un tel mille boum. Mais quand l'américain dit zet boum avec son avion, l'eau kunduz, il tue sans enfants. Sans hafez le Coran. Ça, on ne passe dans rien du tout parce qu'il n'est pas paraître dans les médias. Donc, caractéristique de ce bandimoun-là, je t'attaque musulman, je quitte ban mouchlikin. Et n'en vient écrire tout. Meyer, ça veut dire, il n'est pas concerné pour montrer ban erreur de ban kafir. Parce que c'est un musulman, pour lui, c'est un musulman qui peut faire erreur là, il y a le plus grand danger qui peut faire ban kafir là. Alors, ça va de mentalité qui est dans l'époque de ban Taverin. Ibn Kathir les mentionne ça. Soufyan bin Hussein lui dit Moufin mentionne un djimoun de mauvais. Il fait faire ribat. Il fait une cause mauvaise pour un djimoun de présence de Iyaz bin Muawiyah. Iyaz bin Muawiyah, c'est un tabéri. Fana dhara fi wachi. Iyaz bin Muawiyah fin get moi. Fin get Hussein bin Soufyan. Parce qu'il fait Soufyan bin Hussein. Il fait une get ça de Soufyan. La cause Soufyan vient me faire un ribat pour un djimoun. Il dit comme ça Iyaz a dit Arazaw tarroum. Est-ce qu'il te fait djihad contre ban romain, toi? À l'époque-là, tu as djihad contre romain, contre l'APS, contre dans l'Afghanistan. Tu as ban musulman, tu as le scan de l'Afghanistan. Tu as djihad de plusieurs fronts. Dans l'Afrique, tu as djihad. Dans plusieurs fronts, tu as djihad de ça à l'époque, ban Taberi. L'islam peut expandre. L'islam peut expandre. L'idée, elle est comme ça. Est-ce qu'il te fait la guerre contre ban romain, toi? Alors, Soufiane dit non, je ne peux pas faire djihad contre ban romain. Il donne la guerre contre le fin de djihad de Sindh. Sindh, c'est une province. À cela, je crois que je suis en Pakistan avec l'Inde. Il tombe dans des pays. Longtemps, il y a un seul territoire, l'Inde. À cela, Sindh, c'est moi faire, il tombe entre les deux. Et est-ce qu'il te fait faire djihad dans Sindh, dans la province qui s'appelle Sindh? Ben, moi, tu arrives jusqu'à là-bas à l'époque-là. Il dit non. Tu fais faire djihad contre Banturk. Tu as djihad contre Banturk. Il dit non. Tu fais djihad dans l'Inde. Dans Hind, non. Il dit comme ça. L'am yaslam minka akhouk al muslim. Il dit comme ça. Ban romain, ban sind, ban koufar qui reste dans cette région là. Je ne sapais depuis te l'armée. Mais seulement ton frère musulman n'a pas sapé avec toi. Lela Iyaz bin Mouawiya dit. Falam, sorry. Lela Soufyan dit. C'est lui qui fait sa mauvaise parole là. Sa ribat là. Il dit Falam a'oud ba'daha. Pour finir, arrête mon jeu de mauvais point de musulman après qu'Iyas finalement réalise Moïria. Alors, on veut dire qu'il n'est pas capable, content qu'à faire plus qu'un musulman.
n'est pas capable qu'on tant qu'à faire plus qu'un musulman, attaquer même musulman là. C'est ma mouchlik là, ça me ramène dans mon mazid ça. Quand même quand c'était réel, il fait mon bon au lit dans mon mazid, mon bout de rôle tapis rouge pour lui. Mais mon frère qui est d'Awa, ça me coûte un épisode de l'Oli ça. Épisode, 80 épisodes, il tirait le frère musulman. Épisode, PDF, il tirait. Tiens, PDF, après, fait explication PDF. Après, la première série, il la première partie. Après, la partie, il divise en numéro 1, numéro 2, numéro 1. Après, il y a une deuxième partie. Voilà, comment dire, film net. Darwin, il y a un film avec PDF, avec ce série, avec. Tiens, PDF, après, fait explication. Maman, tout le temps, je me connais, malheureusement, je t'attrape un livre. Qu'il n'est pas à toute ton époque, ça. Prends un livre. Après, j'explique ça, livre-là. Ça n'a rien écrit un livre contre ce frère musulman. Après, il prend un livre-là, il fait explication. Il fait explication à ce propre livre. Quelle est l'imbécilité? Allah fait nous maf. Allah fait nous. Allah pardonne nous de manière rien. Alors, ça, c'est qualité du Ban Khawarij. Le quitteuse. Hadith fait mention qu'il se prend sa bandimoun-là, c'est un shi'ar. C'est un symbole. Une pratique qui se fait, qui distingue zut avec les autres. Je te fais une quitteuse qui, quand guetté, je distingue zut avec ben, les autres musulmans. Le professeur Ali Wassam dans un hadith mentionné, Simahum at-tahliq. Zut caractéristique, c'est que je rase la tête. Je rase la tête. Alors, ça, c'est caractéristique dans l'époque de Rasoul Ali Wassam. Dans l'époque qui les prophètes finissent faire mention, ça, c'est clair pour apparaître. Peut-être dans les, ça c'était une prédiction ça. Il dit ça va dire mon là je point là sa caractéristique là c'est qu'il se courage la tête. Alors ça c'était caractéristique de Ban Khawarij à l'époque de Ali radiallahu anhu. J'ai l'habitude de raser la tête. Quoi qu'il rase la tête c'est un quitteuse qui est permissible. Mais je te fais une quitteuse qui distingue zut. Alors ça va dire c'est là je content reste à l'écart. Remarquez d'abord ici pareil. Finir la bande c'est qui finit vini. Qui, à l'époque où vous trouvez, arrêtez de faire un masque dans le masjid. Tout bon imam, c'est pas le vendir. Finir dans le passé, pas faire un masque dans le masjid. Je suis dans une propre centre. Je suis dans une propre. Et là, tu veux faire du mal dans la case. Pas un finir comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste avec la masse de ban musulman. Et là, distingue avec la masse de ban musulman. Alors, ça, c'est ma caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, à la lumière du saban, hadith là. C'est ma caractéristique qui, sachez, al-Wayhek fin déduit, mi clé de hadith là, à la lumière de ce hadith là. Donc, frères et sœurs en islam, Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pouvons continuer un petit peu, nous pouvons un petit peu aussi, un secte qui finit apparaître, ma première secte, comment se finit dans l'extrémisme, et à travers l'histoire, comment ça issue des takfir, nous pouvons trouver comment un takfir finit apparaître dans. Tu as tout dans l'époque contemporaine, ça, mot, Khawarij, c'est une caractéristique que je peux faire takfir, peut-être déclarer au musulman comme kafir. Sa latitude-là fait une réelle surface dans les années 70-80, encore une fois, même avant, tu n'as pas de Jamara dans l'Égypte qui finit apparaître comme une réaction à torture, tout ça, finit là, ça va, Jamara là qui finit lever. Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pouvons élaborer là. Donc voilà, frères et sœurs d'islam, un petit peu le caractéristique de Ban Khawarij, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous. Une connaissance profonde. La cause, je trouve beaucoup de jeunes. Je ne mets pas une quitteuse qui, comment dire, pour montrer qu'il y a un tel kafir, les papés. Non, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de dire kafir. Donc, quand j'ai dit, il peut faire rire, au moins, déjà, Demos, qui nous a dit, il peut faire rire, il peut faire. Mais il parle d'un démon kafir, un musulman kafir. Excepté qu'il y a une quitteuse qui clear. Mais sinon, une quitteuse qui est dangereux, très très dangereux. Et même un djimoun est capable, un kitsou qui nous apprend dans l'akida, un djimoun est capable de faire une action, si j'apprends ça dans l'akida d'ailleurs, il peut faire une action de koufre, grand koufre, mais seulement alors, ça, un seul fait un joli commentaire, si halat de ban d'ari, il est comme ça, qui nous attend de ban qui pas fin gain assez l'éducation d'in. Peine à doute qui, il est comme ça, situation là, il est comme ça. La cause ça qui un djimoun li bizan pas suivre insan li fautif Quran et Sunna l'en God se dîne, préserve se dîne. Et Inch'Allah, nous pouvons mettre sa livre qui m'a dit là, Religious Extremism, le link là. Inch'Allah, je t'ai capable de gagner l'occasion pour lire sa livre là. Il est bizan, il est bizan lire sa livre là. Il peut gagner un réseau pareil, traduire. Il est bizan par l'occasion pour nous lire. Toujours
comment le film dit, ne pas écouter, à lire, à lire un livre, lire, un livre. Naturellement, pas tout livre aussi. Un livre qui nous gagne garantie, qui pénale légalement là-dedans, qui nous sûr, qui est valable, nous lire, nous augmente nos connaissances. Donc, nous faisons aussi un appel à un jeune, surtout ce jeune qui est pressé pour dire un tel kafir, alors nous devons faire attention, ne pas juste écouter, et c'est takfir, c'est pas travail. Pas même étudiant de bad étudiant comme nous, pas même le travail, ça c'est dans hack de bad roulama, ça bad roulama qui fait mal quelque chose pareil, nous ne pas gagner droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous, il doit nous chauffer tous les temps pour apprendre le Coran et Hadith, et qu'il nous attache nous avec le Coran et Hadith, jusqu'à ce qu'il nous quitte sa dunya là. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.